Alors bonjour les amis et bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle formation consacrée au réseau informatique. Alors j'ai pris la peine de préciser réseau informatique en classe de terminale A, C, D et E. Alors c'est pas uniquement destiné aux élèves de classe de terminale, vous pouvez aussi être un particulier désirant débuter dans les réseaux informatiques, vous pouvez aussi être tout simplement un étudiant de l'université, ça peut être étudiant de génie informatique, que ce soit réseau et télécom, les gars, ça ce sont les bases du réseau informatique. Alors revenons donc à notre présentation où nous allons lancer notre petit logiciel de présentation. Alors, comme d'habitude, nous allons démarrer cette présentation en présentant tout ce que nous avons à faire dans toutes ces vidéos. Alors déjà, je tiens à vous rappeler que ce programme va être divisé en plusieurs chapitres, comme d'habitude, et chaque chapitre fera bel et bien l'objet d'une vidéo spécifique. Alors, comme vous pouvez donc regarder toutes ces icônes, à savoir toutes les images que je vous présente, sur notre petite interface ou sur votre écran, hormis ma photo de profil, toutes ces images ont un lien avec le réseau informatique. Donc dans la suite de ce cours, vous allez voir terre à terre ou bien comment est-ce qu'on peut expliquer le fonctionnement de ces images. Alors dans le programme, nous allons donc commencer par directement les topologies et architectures réseau. Alors vous vous posez bien la question à savoir comment est-ce qu'on peut débuter un cours d'informatique pour débutants et se plonger directement dans la topologie des réseaux. Alors les amis, ne vous inquiétez pas, nous allons prendre la peine à chaque fois de revenir en arrière. Donc dans cette première vidéo ou dans ce premier chapitre, nous allons essayer de parler un peu de quelques fondements des réseaux informatiques avant de se lancer rapidement dans les topologies architecture réseau. Alors comme deuxième chapitre pour cette série de vidéos, nous allons parler des équipements réseau. Autrement dit, quels sont les équipements que nous avons besoin pour pouvoir installer ou configurer un équipement réseau. La troisième vidéo pour cette leçon concerne les protocoles réseau. Alors dans les protocoles réseau, nous allons apprendre, nous allons maîtriser tous les différents protocoles utilisé sur internet pour la communication, partant de la base, partant du protocole HTTP, ainsi de suite. La prochaine vidéo, nous allons parler ici des adresses réseau. Donc nous allons parler des adressages en réseau informatique, autrement dit comment est-ce qu'on fait pour adresser des équipements dans un réseau informatique. Comme d'habitude les gars, nous allons aller de la base, autrement dit dans la notion d'adresse IP. Pour la cinquième vidéo de cette présentation, les amis, nous allons parler de la création et de la configuration de réseau informatique. Alors, en utilisant donc tous les concepts que nous avons eu à voir dans cette série de vidéos, nous allons apprendre à mettre sur pied et à configurer un petit réseau informatique. Alors à la fin, donc, je vais vous donner un petit exercice pour que vous puissiez vous exercer et me poser des éventuelles questions. Alors dans le sixième chapitre ou dans la septième vidéo, nous allons parler des commandes et simulations réseau. Alors, il s'agit de quoi? Nous allons parler uniquement des commandes côté Windows. Autrement dit, comment est-ce qu'on utilise les commandes sur Windows pour créer un petit réseau. Autrement dit, ou encore transformer notre machine ou notre système d'exploitation en hotspot Wi-Fi en utilisant quelques commandes Windows. Et bel et bien, les commandes de test de connexion. Dans la septième partie ou la septième vidéo de notre formation, nous allons parler ou nous allons voir ou bien parler d'une introduction générale au logiciel Cisco. Autrement dit, nous allons voir un ensemble de logiciels qui vont nous permettre d'effectuer nos simulations réseau avant de passer rapidement sur le terrain. Dans
la dernière vidéo de ce programme, nous allons faire des petites simulations réseau avec un logiciel qu'on aura choisi ici, le logiciel Cisco Packet Tracer. Alors, les amis, je vais vous rappeler, ou bien c'est bien de vous spécifier que cette formation est une formation qui est nécessaire pour pouvoir attaquer la prochaine formation que je vais faire dans les jours à venir sur le montage réseau et la simulation. Donc les amis, je vous conseille de suivre attentivement cette formation pour pouvoir attaquer la prochaine formation que nous allons commencer le mois prochain sur les simulations réseau. Comment est-ce qu'on va utiliser les simulations pour les logiciels pour pouvoir installer des petits réseaux, ça peut être des réseaux de deux petits ordinateurs avec des petits câbles. Comment est-ce qu'on peut faire pour configurer un switch? Comment est-ce qu'on va faire pour configurer des serveurs DHCP ou encore des routeurs? Comment est-ce qu'on va faire pour représenter les différentes tables de routage d'un réseau informatique contenant qui compose un petit routeur? Comment est-ce qu'on va faire pour attribuer les adresses IP aux différents équipements de notre réseau? Alors, merci les amis d'avoir donc suivi cette petite introduction au réseau. Je vous invite donc à suivre entièrement cette formation pour dire au quartier ou bien entre les amis, je suis un expert en réseau informatique. Alors, comme d'habitude, nous allons passer à la prochaine partie de cette présentation qui n'est rien d'autre qu'une situation de vie générale ou bien une situation problème général. Autrement dit, pourquoi est-ce que les amis vous lancez dans cette formation ou encore pourquoi faire dans les réseaux informatiques? Nous allons voir quelques petits problèmes de la vie courante qui peut nous amener à penser à appliquer nos concepts du réseau informatique. Prenons l'exemple suivant. Vous avez par exemple un établissement qui vient d'être doté des équipements informatiques pour votre nouveau laboratoire. Alors lorsqu'on parle d'équipement informatique, ça peut être des ordinateurs, des vidéoprojecteurs, des imprimantes, des routeurs ou encore des modems. Alors pour mieux donc faciliter les travaux de l'administration d'une part et des enseignants d'autre part, votre proviseur vous sollicite pour mettre le dit équipement réseau en place, autrement dit en utilisant tous les concepts informatiques ou les concepts en réseau informatique vus en classe de terminale. Prouvez donc à votre proviseur que vous êtes capable de mettre en place un petit réseau et de le configurer. Alors merci les amis d'avoir suivi donc cette première vidéo consacrée à une introduction générale. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo prochaine où nous allons rapidement passer à la première partie de cette vidéo qui n'est rien d'autre que les topologies et architectures réseau. Alors déjà merci à vous de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo et n'oubliez surtout pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, commencez premièrement par vous abonner. Tout le monde connaît la procédure d'abonnement, acquitter en cliquant sur la touche s'abonner et ensuite activer la cloche de notification pour pouvoir donc avoir des notifications concernant des nouvelles vidéos que je vais poster sur toutes les autres parties de votre programme du lycée, que ce soit en programmation, HTML, JavaScript, base de données, avis de commentaires, ainsi de suite. Et les amis, partagez massivement cette vidéo pour pouvoir faire bénéficier vos camarades de ce petit chef-d'œuvre. Alors, merci et bonne journée, bonne soirée à tous.